Bien, bonjour. Voilà, maintenant que c'est finalisé pour le premier réel test, je fais cette petite vidéo en statique. J'essaierai de faire demain une vidéo en bougeant, en espérant que ça passe jusqu'en 5, puisque j'ai pu essayer dans mon garage que 1, 2 et 3, voire même 1, 2 et marche arrière qui passe bien. Voilà, avec ces deux angles de vue, vous allez voir le débattement, vous allez voir qu'il n'est pas énorme finalement, hein, même en étant presque plus court, le levier. Mais bon, compte tenu de la hauteur du levier, je rappelle encore, regardez, j'ai des mains larges, mais des doigts pas très longs, contrairement aux jeunes générations qui ont des doigts de E.T. Mais vous voyez, je touche facilement et c'est au point mort là. Donc il doit être sur certaines vitesses, il n'a même pas 10 cm de mon volant. Donc étant donné sa hauteur, vous allez voir que vu de haut, hein, le débattement n'est pas si. N'est pas même, n'est, et même petit quoi, c'est pas gênant. Hein. Donc voilà, je vais vous passer les vitesses en fonction. Donc la marche arrière. Voilà. La 1, la 2, la 3, la 4. Donc vous voyez hein, le débattement. Et la 5. 1, 2, 3, 4. 5, 4, 3, 2, 1. Marche arrière. Voilà.